Les riders, de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red Shadow Legend. et On va parler d'une championne championne qu'on peut obtenir assez rapidement dans le jeu puisque c'est une championne gratuite on va parler de dame Haute Katoon ou Haute Catin, ça dépend comment on la prononce, même si la signification n'est évidemment pas la même. Donc c'est une championne qu'on a, comme on le disait en tout début de jeu, qui peut être particulièrement intéressante et essentielle sur tout au début, mais qui a son intérêt aussi sur la fin dans certains compartiments de jeu, je vais vous présenter évidemment lesquels, on va aller les découvrir ensemble tout de suite, c'est parti. Alors, Notre-Dame Haute Katoun est une championne épique d'affinité esprit, hop, et de type soutien de la faction des barbares, donc avec un skill plutôt joli, hein, qui ressemble grandement à Dame Vala, avec un petit côté Valkyrie, euh, et donc qui est une championne... Qui peut avoir un intérêt dans certains cas, puisqu'elle a un kit qui est assez, je ne vais pas dire unique, mais euh, qui existe peu. Voilà, bon on va aller voir pourquoi. Alors, grâce impériale, elle va attaquer un ennemi, offrir jusqu'à 40% de chance de placer un débuff réduction de vitesse de 30% pendant deux tours. Donc, ça, c'est plutôt pas mal, parce on a 40% de chance de réduire la vitesse sur son A1 dès qu'on attaque un ennemi, et euh, c'est quand même deux tours. Donc, ça, c'est en plus une réduction de vitesse de 30%, on prend. Rallier la horde, remplit de 15% de compteur de tour de tous les alliés, et place un buff augmentation de vitesse de 30% sur tous les alliés pendant deux tours, elle comprise. Donc on est sur un cooldown de 3 tours. Euh, ça c'est intéressant parce qu'effectivement, lorsqu'on pense à l'arène en début de jeu, euh, forcément, on, on va avoir besoin de champions qui bougent justement le compteur de tour et la vitesse de nos petits copains, surtout le compteur de tour, mais là l'augmentation de vitesse en plus n'est pas à négliger, et ça c'est intéressant. Et l'éclair chamanique, elle va attaquer tous les ennemis et posséder jusqu'à 75% de chance de réduire de 15% le compteur de tour. Bon, ça c'est une petite réduction de compteur de tour. petite attaque de zone, c'est pas le plus intéressant. Nous, ce qu'on va vraiment apprécier, c'est le fait qu'elle soit en capacité de booster la vitesse en zone et de réduire la vitesse en mono-cible. Euh, en plus, même si c'est surtout au démarrage du jeu sur rallier la horde que vous allez vous concentrer. Et elle a une aura où elle augmente la vitesse des alliés lors de toutes les batailles de 19%. Donc ça aussi. On prend et c'est ce qui fait qu'elle sera très intéressante en encore une fois en tout début de partie. Euh, voilà ce qu'on pouvait dire sur son kit. Donc éclair chamanique en résumé pas très intéressant, surtout le A2, rallier la horde, et puis son 1 qu'on prend en plus de son aura. Alors comment la stuffer fait Moi ce que je vous recommande c'est de la mettre en full 7 vitesse, ce qui n'est pas le cas ici. Toute la vitesse que vous pouvez lui mettre, mettez-les. Elle va vous aider effectivement au démarrage pour la reine pour passer les paliers. Euh, et donc la mienne, vous voyez, à un petit 252 de vitesse, ce qui n'est pas fou, hein, mais qui pour un démarrage de jeu forcément est conséquent. Mais suffisant, en tout cas, viser le plus haut possible pour Dame Haute Katoon avec du PV, de la défense. Et moi, je l'ai mis beaucoup de précision, surtout puisqu'elle me sert encore aujourd'hui sur un domaine de jeu spécifique que je vous présenterai après. donc Mettez-lui du 7 vitesse pour gagner effectivement en vitesse. Moi je l'ai mis à un 7 perception en plus, mais sinon mettez-la full 7 vitesse avec du PV et un peu de précision quand même, même si c'est vraiment la vitesse que vous devez focus, quoi qu'il arrive au démarrage. Quand bien même vous n'avez pas effectivement euh, des gants ou une pensières qui euh, sont effectivement, euh, on va dire, en, en PV pourcentage ou en précision, si c'est de l'attaque flat, euh, c'est-à-dire de l'attaque pure, même si ça ne nous intéresse pas. Au Démarrage partait de toute façon sur les sous-stats de vitesse et le set de vitesse, c'est ce qui nous intéresse. Alors, la mienne, elle est en précision vitesse PV en arme, de la vitesse précision sur son casque, de la vitesse précision sur son bouclier avec un peu de PV pourcentage, des grands PV pourcentage comme vous voyez qui sont même pas montés 16 avec de la vitesse, de une, une bannière, non une pensière, je vais y arriver, précision avec la sous-stat de vitesse, des bottes vitesse avec sous-stat précision. Le L'anneau est en DEF pourcentage, bon il y a de l'attaque pourcentage on s'en fiche un peu. Euh, la mulette est en DEF avec de la précision et j'ai mis de la précision avec sous stat de vitesse pour la bannière. L'idée, focusser les sous-stats de vitesse un maximum, elle va vous servir dans différents compartiments de jeu en plus de l'arène. Mais encore une fois moi si j'ai mis beaucoup de précision c'est parce que je m'en sers, je vous montrerai à quel endroit même en endgame. Alors... Je l'ai mis en branche attaque pour aller chercher sur les boss maître de guerre. Hop, je vais aller vous cacher ça pour que vous puissiez bien voir. Euh, voilà, maître de guerre ici. Hein, ça, c'est ce qui m'intéresse pour euh, les boss. Maintenant, quoi qu'il arrive, partez sur la branche soutien pour gagner de la précision, la possibilité de se soigner 10% à chaque fois qu'un ennemi est tué lors de chaque round. Euh, ensuite, l'augmentation de précision, la possibilité d'augmenter le compteur de tour lorsqu'un buff est retiré ou expire, ça va arriver souvent avec l'augmentation de vitesse, la possibilité de réduire d'un tour le temps d'une recherche compétence, une compétence aléatoire, et la possibilité de prolonger d'un tour, ça c'est hyper important pour son buff, d'augmentation de vitesse. La réduction du compteur de tour sur son 1, très important, et l'augmentation euh, avec 5% de chance de... N'importe quel debuff, ça c'est intéressant pour la réduction de vitesse. Euh, maintenant, si vous êtes en début de jeu, peut-être que vous privilégiez la branche défense, vous y gagnerez pas grand chose. Là au moins, elle vous servira aussi pour les boss. Là, les 5% nous permettent donc de passer à 45% de chance de placer en réduction de vitesse avec son 1. Euh, C'était donc la maîtrise avec l'œil que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà ce qu'on peut dire sur effectivement d'un mot de Katoon sur comment. Euh, la stuffer, comment la maîtriser. Ce que je vous propose, c'est qu'on aille la tester comme d'habitude. On va aller faire un petit tour en arène, même si très clairement en Or 4, euh, elle va être en Gold 4, elle va être quand même très très limitée. Mais voilà, sur par exemple cette perspective là, on va pouvoir aller la tester. Hop. Alors. Elle est d'affinité esprit. Elle est... Plum, plum, plum. Elle est là. Voilà, donc on a une petite aura de vitesse. On va les mettre. Une petite série. Et ça suffira. Oh, quand même, on peut même aller partir. Sur cette base-là. Voilà, donc là, elle permet de jouer en premier. Et c'est ce qu'on a besoin. Elle va booster la vitesse et permettre à notre camp fond. N'importe quel champion attaque de jouer avant, voilà est ce qui nous intéresse. Et en jouant avant, même si on a un champion qui se place de l'invincible, on passe nickel. Là, on va les tester cette team là, puisque là on a un double boost vitesse hein, avec euh, arbitre et apothicaire qui boost la vitesse et le compteur de tour. Même petite code Katoon, donc on va la mettre elle. Euh, on va partir sur une série. Bon, ce n'est pas des très grosses teams en face, hein, vous le voyez. On peut se même poser, se poser la question si c'est pas du bot. Euh, peu importe, là l'idée c'était surtout de vous montrer, vous voyez même ma série c'est plus rapide. Elle a fait son boulot qu'on lui demandait en boostant la vitesse. Et là du coup, elle a rendu l'âme très gentiment, mais a permis de passer sans trop d'encombre cette phase-là. Donc voilà, après... Là, on est encore une fois en Gold 4, donc euh, ça va être très difficile d'aller tester d'autres teams euh, de, de cet Akabi. Euh, là, on peut essayer, par exemple, ouais, level 70. Euh, Qu'est-ce que je pourrais tenter d'autre Allez, on va tenter celle-ci avec... On peut être tenter ça. Je ne suis pas sûr il va y avoir du, cette réaction qui va me faire rater mes coups. Je le sens gros comme une maison. Pour ma trunda. Oh là, voilà. Puis alors, ça, ça m'énerve quand c'est Elle fait euh, sur les boucliers, elle ne fait pas son réduction d'attaque et de défense. Allez, on y retourne. Prends la main, on préfère ça. Ah, on a quand même euh, forcément. Beaucoup, beaucoup de cette réaction. Vous avez vu, je, crois même pas, je suis même pas sûr qu'on ait réussi à mettre un coup critique dans l'histoire. Donc là, on va, on va forcément aller se faire dégommer gentiment. Et en plus, on se fait endormir. Allez, ciao, bye bye. Donc là, très clairement, elle est pas du tout orientée sur du gold cap. Mais encore une fois, au démarrage, elle vous rendra de fiers services. On peut aller voir aussi ce qu'elle peut apporter sur des donjons. Alors on va aller voir sur le... Là ah, voilà, j'avais une mission où je vais mettre que des greens. Alors. Elle est ici. Donc elle augmente dans toutes les batailles la vitesse. Ça on prend. On va aller mettre un petit duc pour la réduction d'attaque et de défense. Un petit poisonneur pour faire du dégât. Euh, qui sait qu'on peut mettre d'autres Allez, on va partir sur du full épic. Full dégâts. On va quand même aller sécuriser. Allez, en avant, on va en profiter pour remettre la cam. On a déjà vu les maîtrises désormais. Donc là, vous voyez, le, le boost compteur de tour fait quand même beaucoup de bien. Ainsi que l'augmentation de vitesse, hein, ça permet aux, aux ennemis de très très peu jouer. Ah elle a pris un petit étourdissement la cocotte. Ça arrive. Bon après on n'est pas sur une team qui est destinée à faire beaucoup de... à faire du speedrun. Hein. 40 secondes sur la vague 1 avec euh, exclusivement de l'épique, du, du très bon épique. Beaucoup de poisonneurs, pas beaucoup de faiseurs de dégâts. Et donc le boost de vitesse nous fait quand même relativement du bien. Je vais voir quand elle fera son éclair chamanique pour la réduction du compteur de tour. Voilà, elle a permis de réduire quand même 3 si j'ai bien vu sur 4. En réduction de compteur de tour. Donc ça c'est vraiment pas mal du tout. Et là avec tous les poisons, ils ne vont pas trop aimer quand ils vont jouer. Voilà, Apotica est parti. Et on est en permanence quasiment, hein, comme vous le constatez, en augmentation de vitesse. Donc là, hop, on augmente la vitesse juste avant de commencer contre le dragon. Et forcément, ça nous permet de jouer plus, poser plus de poison, faire plus de dégâts contre le dragon, hein, puisque le dragon est évidemment très sensible au poison. Vous voyez, hop, il a pris quand même... Un Gros carton sur ses PV, je pense que là on devrait arriver à peu près en, en 240-245 à terminer le dragon. Donc en résumé, Haute elle va vraiment vous aider en tout début de jeu sur les donjons euh, en arène. Voilà, c'est une championne qui est plutôt destinée à être early début de mid-game, après vous risquez de la mettre un petit peu de côté, elle a évidemment tout, tout son intérêt sur la crypte des factions barbares, puisqu'elle euh, va apporter ce, ce gain de vitesse et ce contrôle du compteur de tour de, de l'ensemble des ennemis, donc euh, c'est une championne qui vous servira surtout en début de jeu, mais pas que, en dehors des cryptes de factions, où là elle vous servira à peu près tout le temps, euh, sur la tour du malheur, elle a un intérêt extrêmement intéressant sur Astranix, Astranix est vraiment le... Donjon, enfin là, le boss du tour du malheur a absolument farmé. Il va vous apporter effectivement des, euh, des, des, des pièces qui vous permettront de forger derrière euh, l'ignore défense, donc comme le sauvage, mais en plus qui gagne du taux crit. Et là-dessus, elle est extrêmement intéressante. En tout cas, moi, elle est dans ma team automatique, puisqu'elle a cette capacité, encore une fois, de booster la vitesse et de réduire la vitesse. Et ça, c'est extrêmement important contre Astranix. Voilà pourquoi je l'ai mis en lead. On va aller faire un petit test en auto. Donc c'est une composition auto qui passe à 90%. Gros avantage, hein, c'est qu'effectivement elle va m'apporter le boost de vitesse dont j'ai besoin pour ma team pour évidemment aller euh, le plus loin possible. Mais elle a aussi cette capacité de réduction de vitesse qui est quand même très intéressante. Euh, donc ce, ce kit, effectivement, boost de vitesse de tous les copains et réduction de vitesse mono-cible est extrêmement fort contre Astranix. Surtout quand on veut effectivement pouvoir faire une team qui est en contrôle de tour permanent. Euh, là dessus elle va extrêmement bien accompagner l'ensemble de ses petits copains là on est en boost vitesse on réduit la vitesse aussi comme vous le constatez malgré qu'on là on est en bonne affinité puisque c'est l'affinité force voilà et donc c'est là où on attend qu'elle nous fasse du bien alors là, elle n'est pas allée réduire la vitesse, à cocotte. Et là, il va falloir qu'on aille vite voilà dégager le gros bill. Là, elle a réduit le compteur de tours avec son 1, mais pas la vitesse. Donc, c'est notre gros bill qui fait le job là-dessus. Et ce qu'on attend maintenant, c'est qu'elle booste la vitesse de ses copains avant qu'Astranix rejoue. Plutôt mal et on arrive à être encore debout. Bon, après les, les charmes font un peu n'importe quoi quand il n'y a pas beaucoup. Le compteur de tour, ça y est, là on va pouvoir normalement prendre le dessus définitivement puisqu'on a le boost vitesse qui va bien, la réduction de vitesse sur Astranix et les deux contrôles de tour de charme. Donc, si après vous voulez des détails sur comment effectivement euh, aborder Astranix, j'ai fait une vidéo sur comment la battre. Euh, qui, qui vous explique comment la farmer en auto aussi, ça c'est très important, puisque l'objectif c'est pas de la farmer en manuel, sinon vous allez vite en avoir ras-le-bol et c'est logique. Et là effectivement, cette team avec 90% à peu près de win rate, euh, c'est quand hier j'ai dû lancer 16 runs, sur 16 runs j'ai eu 3 défaites, vous voyez ça reste euh, tout à fait raisonnable sur une team 100% automatique sur l'étage 120 difficile d'Astranix, hein. donc euh, effectivement vous voyez elle a quand même sa place même un petit peu plus tard dans le jeu. Donc de là à se dire est-ce que je la monte absolument 60 Posez-vous les bonnes questions. Ça dépend où vous en êtes, est-ce que vous avez comme champion à côté à monter. Euh, mais effectivement, elle peut... Euh, elle l'aura de toute façon son intérêt plus tard. Vous voyez, moi je l'ai montée que très tardivement. Euh, surtout justement pour Astranix, Puisqu'avant, sinon elle dormait à level 50 en, en chambre. Euh, puisque en, en faction, euh, j'ai eu assez rapidement... Euh, ce qu'il me fallait pour la mettre de côté, mais en tout cas au début elle m'a bien aidé sur les factions, en tout cas pour monter les premiers niveaux. Elle m'a aidé un petit peu au début en arène. Et j'ai eu très rapidement Gorgora, donc forcément Gorgora pour moi a pris le dessus. Même s'il n'a pas de boost vitesse, son boost compteur de tour et résurrection est quand même un niveau au-dessus, on ne va pas se le cacher. Que ce que peut proposer Katoon, qui, voilà, faut pas non plus cracher dans la soupe, a quand même encore une fois son intérêt. Et là on le voit bien. Sur AstraNix, elle a fait son boulot. Euh, je vais vous montrer brièvement les dégâts. Donc 124 045 pour elle. C'est pas là où on l'attend de toute façon, mais effectivement, elle a énormément boosté la vitesse et a permis, avec sa réduction de vitesse et son boost vitesse, de faire le job. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on aille lui donner des petites notes. J'en ai pas forcément parlé, mais sur les autres donjons. Elle peut aider un petit peu au début d'araignée, mais c'est clairement pas son job. Un petit peu en golem aussi. Euh, on va aller lui donner des notes justement pour parler de tout ça. Alors, Haute Katoon, 6038 votes. Sur l'attaque d'arène, elle est extrêmement intéressante en début. Et pour son aura, je vais mettre un 5. Euh, le seigneur démon. Donc ça c'est le boss de clan. Je lui mettre un 2 parce que pour moi, à part booster la vitesse de ses copains, elle ne servira à rien d'autre derrière parce qu'elle ne peut pas réduire la vitesse et contrôler le compteur de tour. La défense d'arène, c'est son job. Alors pourquoi je mets des 5 L'idée c'est aussi de ne pas mettre des 4 en disant euh, elle est euh, elle est moi, elle est bien mais sans plus, euh, puisque des débutants vont avoir besoin de ces notes pour savoir comment s'en inspirer d'autres Katoun. Et là il faut qu'ils comprennent qu'en attaque défense d'arène, c'est vraiment là où au début de jeu elle va l'aider. Elle va les aider. Donc défense euh, en de l'araignée, je vais mettre un 3. Emplacement de campagne. 3. Entre du dragon. 4. Chevalier du feu, pas du tout adapté. Minotaur, elle peut aider. Golem de glace, elle peut aider. Donjon de force, elle peut aider. Donjon de magie, elle est en contre-affinité. Ouais, j'aurais pu mettre 3 pour baisser un peu la note. Donjon de l'esprit, elle va aider avec son boost vitesse. Néant pareil, guerre des factions, c'est son job. Et l'hydre, elle n'est pas très adaptée. Donc, en résumé, en début de jeu, elle va vous servir un petit peu partout parce que de toute façon, vous n'aurez pas 10 milliards de champions. Plus vous allez avancer, plus vous allez vous en détacher. Elle vous servira euh, en arène peut-être un peu plus longtemps que sur les autres compartiments de jeu. Et sinon, c'est Crypte des Factions et Astranix où elle a très clairement un intérêt important. Notre-Dame Haute-Catoun. Voilà ce qu'on pouvait dire sur elle, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté quelques éléments de réponse si vous vous posiez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à laisser le petit pouce bleu si ça vous a plu et à vous, abo vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur Ed Shadow Legend, ciao les potos.